trafic moins dense que prévu pour le nouveau chassé-croisé des vacances. La circulation était dense, mais moins que prévu, sur les routes de France pour ce nouveau chassé-croisé des vacanciers, alors que la journée était classée « rouge » dans le sens des départs par bison futé « noir » en Auvergne-Rhône-Alpes. Vers 10h, l'organisme de prévision dénombrait au niveau national 160 km de bouchons cumulés, contre 200 km le 12 août 2017. Avec la fin de la canicule, les conditions météorologiques sont bien meilleures que la semaine dernière pour les vacanciers qui doivent, comme à l'accoutumée, faire preuve de patience sur l'autoroute A7 au sud de Lyon. Dans le sens nord-sud, Bison Futé dénombrait une cinquantaine de kilomètres de bouchons, dont 32 km de circulation en accordéon vers Bourg-lès-Valence. La circulation est fluide pour l'instant dans le sens de retour, avec seulement 9 km de bouchons à Saint-Rambert-d'Albon à la suite d'un accident sans gravité. Dimanche, journée classée « verte », la circulation sera plus fluide, exception peut-être des routes d'Auvergne-Rhône-Alpes et de l'arc méditerranéen. Dans ces régions, Bison Futé a classé la journée « orange ». Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.